Couvert par les deux hémisphères cérébraux, le diencéphale est la structure du système nerveux central qui se trouve au centre du cerveau. Il comporte des amas de substances grises, dont le thalamus et l'hypothalamus, qui jouent un rôle extrêmement capital dans l'organisme. Le thalamus est un complexe nucléaire qui occupe une grande partie du diencéphale. Il assure un relais impératif à la grande majorité des afférences sensorielles qui remontent jusqu'au cortex cérébral. Il joue également un rôle très important dans la motricité et les émotions. Le thalamus se constitue de deux masses de substances grises, droite et gauche, prenant chacune une forme ovoïde. Ces deux parties sont souvent reliées au centre par l'adhésion interthalamique. Le thalamus comporte plusieurs noyaux qui assurent chacun un rôle bien distinct. Il marque la paroi latérale du troisième ventricule. Et il est entouré en haut et en avant de chaque côté par le corps et la tête du ventricule latéral correspondant. L'hypothalamus, situé directement en bas et en avant du thalamus, est nettement plus petit en taille et en volume que ce dernier. Cela dit, son rôle dans l'organisme n'est pas du tout le moindre. En effet, l'hypothalamus comporte plusieurs noyaux qui assurent différentes fonctions, dont la thermorégulation, l'appétit et la régulation du cycle sommeil-éveil. Il joue également un rôle capital dans la modulation du système nerveux autonome. L'hypothalamus est le véritable moteur endocrinien de tout le corps. Il contrôle la sécrétion de l'hypophyse qui produit les principales hormones de l'organisme.